Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 27 septembre 2022. Donc on va voir ce que vous réserve cette journée. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous très bien. Et on va voir ensemble ce qui ressort. Alors, on va commencer par voir déjà l'énergie forte qui va vous accompagner. Hop! Alors, le message pour vous, nous avons la carte de l'égarement. Ce message vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc justement, s'il y a une période où vous cherchez des réponses, il y a des interrogations qui sont présentes, on vous dit de faire confiance à votre intuition et à vos ressentis qui vont justement pouvoir vous guider dans la direction que vous souhaitez emprunter. Alors, on va voir les messages du petit Lenormand, donc le Hurlenormand. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, nous avons le cœur et nous avons la cigogne. Alors ici, on a une progression au niveau amoureux. On peut nous parler d'un changement positif, d'une amélioration. Ça peut aussi nous parler peut-être d'un déménagement avec la personne de votre cœur. En tout cas, il est question d'une évolution, de quelque chose qui va changer, quelque chose qui va progresser. On nous parle aussi pour cette journée d'amour, d'émotion. On voit vraiment que l'amour va être au centre des énergies. Et par rapport à ça, justement, il va y avoir possiblement une évolution dans le domaine affectif. Ça peut aussi concerner la relation avec un proche, ça peut aussi nous parler ici de partage, de connexion, où on a justement un changement qui arrive pour vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, on va prendre nos 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Je vais positionner les cartes et on va regarder ce que cela nous dit. Hop! Alors, au dos du jeu, nous avons la faux. Donc la faux, ici, va nous parler de récolte. Après beaucoup d'investissements, après beaucoup d'efforts, on vous dit que vous récoltez les fruits de tout ce que vous avez entrepris. Ici, on nous parle de la visite d'une personne ou des nouvelles d'une personne avec qui il y a un attachement important. En tout cas, vous allez recevoir des informations de la part de cette personne. Et c'est comme si cette visite ou c'est comme si ces nouvelles allez vous permettre de prendre une décision. Donc on va voir ce qui ressort. On a la carte de la lune qui va nous parler d'intuition, de ressenti, de faire confiance justement à vos ressentis. Et ça va nous indiquer aussi quelque chose de rapide, quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Qu'est-ce que nous avons avec cette énergie? Nous avons le chien. Alors ici, on nous parle peut-être d'un message de nouvelles de la part d'un ami, d'une personne proche de vous. Ça peut être en tout cas quelqu'un avec qui vous avez un lien important et vous allez certainement recevoir des nouvelles rapides de cette personne. Nous avons le consultant. Alors, ça peut être en lien avec un homme ou aussi, si vous êtes un homme, ça peut représenter une personne proche de vous. En tout cas, il est question ici de faire confiance à ses intuitions et à ses ressentis concernant une complicité, concernant du partage avec une personne. On a la carte du vaisseau. Alors ici, on peut nous parler d'un homme qui se déplace. Donc peut-être un voyage, peut-être un changement qui arrive. Et ça peut être également un mouvement important par rapport à un homme ou pour vous si vous êtes un homme. Il y a cette notion aussi de se laisser porter par les énergies, d'un voyage intérieur aussi. Et d'un voyage intérieur où vous avez justement beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuitions. Ensuite, nous avons le soleil. Alors ici, on peut nous parler d'un voyage qui va être très positif pour vous.
On peut nous parler aussi d'un déplacement dans un endroit où il fait chaud, ça peut aussi représenter ceci. Et ça nous indique en tout cas du bonheur, de la joie qui vient vers vous. On a quand même cette notion de partage pour cette journée avec une personne proche et beaucoup de bonheur qui va être partagé. Nous avons le cercueil, donc on prend des décisions, on renaît à l'intérieur de soi et aussi on sent que vous êtes en train d'atteindre une fin de cycle, donc des changements importants, peut-être au niveau relationnel, au niveau affectif. Ici, on a cette notion de libération et de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons la carte de l'arbre ici qui va nous parler de stabilité, de bien-être, de prendre soin de soi, de son corps, de ses énergies. Donc ça va nous parler ici d'une transformation par rapport à votre équilibre, par rapport à ce que vous ressentez en vous. Il y a vraiment ici une période de régénération et le fait d'être à l'écoute des messages de votre corps aussi. Donc c'est comme si pour certaines personnes aussi, vous allez peut-être faire un voyage ou un déplacement qui va vous ressourcer, qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Peut-être un déplacement en lien avec quelque chose qui est relié au bien-être. Ensuite, nous avons le trèfle qui va nous parler de chance et d'opportunité. En plus, on a le soleil juste à côté, donc ici, il y a une chance à saisir. On vous dit de ne pas laisser passer votre chance. Et il peut y avoir justement quelque chose qui apporte une nouvelle énergie par rapport à votre bien-être, par rapport à votre ancrage. Nous avons le cœur ici qui va effectivement nous parler d'amour, de sentiments. On va nous montrer aussi qu'il va y avoir quelque chose comme un coup de pouce de l'univers au niveau d'une relation amoureuse, quelque chose qui va se transformer, mais également pour certaines personnes, on peut nous parler d'un coup de foudre, d'une personne que vous allez rencontrer et qui va vraiment faire vibrer votre cœur. Donc ici, on a un changement au niveau amoureux. On nous parle de communication, de nouvelles avec une personne que vous aimez. Ça peut aussi représenter un ami, ça peut aussi représenter une personne de votre famille. Mais en tout cas, ici, on a des communications avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup d'amour. On peut nous parler aussi d'un message d'amour que vous recevez. Et il est question ici de messages. Alors, ça peut être aussi un SMS concernant un projet qui vous tient à cœur et qui est important pour vous. Ensuite, nous avons la croix. Alors, ici, on peut nous dire que vous avez foi, qu'il y a quelque chose qui vous relie au niveau spirituel. Et il peut y avoir justement des échanges au niveau spirituel qui soient importants pour vous. Et c'est comme si, par rapport à ces communications, vous allez également vous sentir guidé. Ensuite, avec cette énergie, nous avons les oiseaux. Alors, ici, on nous parle de communication, d'échange. Peut-être par rapport à une situation qui a été bloquée ou par rapport à une épreuve, il y a quelque chose qui va pouvoir être exprimé. Et j'ai le sentiment ici que ce sont des communications avec une personne proche de vous. Donc il y a des échanges remplis d'amour, un soutien qui vous est apporté également et le fait de pouvoir avoir de nouvelles énergies et de ressentir un changement au niveau de la communication. Et enfin, nous avons le jardin. Donc ici, on nous parle aussi de communication avec l'extérieur, peut-être aussi de nouvelles rencontres. Mais vous allez vraiment pouvoir vous ouvrir sur tout ce qui vous entoure. Donc ici, on a quand même des communications par rapport peut-être à des nouvelles relations, des personnes qui sont autour de vous. Ça peut représenter aussi des connaissances. On a une stabilité qui se met en place. On voit qu'il y a une épreuve et par rapport à ça, vous avez un coup de pouce de l'univers, une chance qui arrive vers vous. On a quand même ici des communications avec une personne proche, avec un ami, avec quelqu'un aussi avec qui il y a un attachement important et on nous parle d'amour. Ici, il y a une transformation concernant un homme ou bien on nous dit qu'il y a un homme qui vit des changements importants. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir les messages qui sont présents. Donc, sur la croix, et on va recouvrir aussi le cercueil, on va recouvrir le consultant pour voir ce qui ressort. Alors, sur la croix, nous avons les souris. Donc, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui peut créer du stress, des inquiétudes par rapport à une situation qui est comme un fardeau, qui est comme un poids.
Et on peut nous dire aussi que il y a beaucoup de foi, beaucoup d'énergie qui vous aide à aller de l'avant. Et malgré ici des inquiétudes, on voit que vous avez foi dans vos projets. Donc aussi, soyez à l'écoute de vos intuitions pour pouvoir aller au-delà de ces blocages. On a le consultant et on a la tour. Alors ici, on peut nous parler d'un homme qui fait le point, qui réfléchit. Peut-être aussi un homme qui est dans une période d'introspection. On peut nous parler aussi que cette personne a un nouveau regard sur les choses et ça nous parle aussi de réflexion. Et avec le cercueil, nous avons les nuages. Donc ici, on a quelque chose qui se transforme. On a une fin de cycle importante et la possibilité pour vous par la suite d'y voir plus clair. Parce que les nuages ici nous montrent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu flou par rapport à un changement qui arrive dans votre vie. Mais ce n'est que passager. Les nuages ne restent pas dans le temps. Donc s'il y a une situation qui est floue, vous allez pouvoir avoir les réponses. Donc voilà, et ici nous avons le bouquet qui va nous parler de bonheur et de joie. Donc c'est plutôt pas mal. On va continuer et on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, quels sont les messages du tarot pour vous. Alors, à la coupe, nous avons le soleil. Et nous avons magnifique l'as de denier. Donc une opportunité qui va se présenter à vous, une proposition qui arrive, qui amène vraiment du positif pour vous. On peut nous parler aussi d'une réponse favorable dans un projet. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a un investissement ou tout ce qui est en lien avec le plan financier qui va vers du positif. On a cette notion de quelque chose qui est précieux, qui est important pour vous. Et on voit vraiment ici que vous allez vers quelque chose de lumineux. Donc, on se tourne vers le positif, vers la joie et vers l'abondance. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Et on va prendre l'énergie principale. Hop. Alors, au dos du jeu, magnifique, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle de bonheur, de joie, de partage avec les personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi un rapprochement avec des personnes proches de vous. En tout cas, on a cette notion de bonheur et de plénitude au niveau émotionnel. Nous avons en énergie principale la reine de denier. Alors, la reine de denier, elle va indiquer que vous allez vraiment prendre soin de quelque chose. Ça peut nous parler aussi d'une énergie assez maternelle, assez protectrice que vous incarnez. Et ça nous montre aussi que vous avez à cœur de vous reconnecter, de vous réancrer. On voit ici cette femme qui a des branches d'arbres. Donc, il y a vraiment un désir pour vous de vous reconnecter à la nature, peut-être aussi aux animaux et à tout ce qui vous entoure pour être dans une énergie enveloppante. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le cavalier d'épée. On a le 7 d'épée. On a le cavalier de denier. Le 10 de bâton. Le diable. Et on a le 4 d'épée. On a beaucoup d'épées, donc on voit beaucoup de réflexions pour cette journée. On voit ici que vous prenez également de nouvelles décisions par rapport à tout ce que vous vivez. Alors, il y a quelque chose ici qui va changer par rapport justement à des blocages qui étaient présents. On nous dit ici que vous êtes dans l'attente d'une communication ou d'un message par rapport à une situation qui est un petit peu floue, un petit peu incertaine et qui peut créer justement des peurs à l'intérieur de vous. Donc ici, on voit bien que ce message arrive vers vous, mais assez lentement. Donc il y a quelque chose qui avance petit à petit. On a aussi quelque chose ici qui est comme un poids ou en tout cas, vous arrivez au bout d'un cycle où il y a eu cette notion de fardeau et de poids.
Et on a aussi le diable qui va nous indiquer pour vous un désir de vous libérer de certaines dépendances ou d'une dépendance en particulier. Et c'est cette envie aussi pour vous de reprendre le contrôle sur ce que vous vivez actuellement. Donc ici, il y a un réel déclic par rapport à une situation qui était bloquée, peut-être aussi au niveau de la communication. Vous reprenez le contrôle par rapport à certaines énergies. Et nous avons aussi le 4 d'épée. Le 4 d'épée ici va nous parler de repos, de guérison. C'est aussi le fait de prendre du temps pour soi et de pouvoir se ressourcer. Donc il y a une reconnexion ici à ce qui vous apporte du bien-être, à ce qui vous permet de vous sentir aligné. On a quand même deux cavaliers, donc je pense que c'est une journée où les choses avancent assez rapidement, notamment avec le cavalier d'épée. Vous pouvez recevoir des nouvelles d'une personne par rapport peut-être à une situation qui était compliquée. On voit également des nouvelles au niveau financier, peut-être par rapport à votre vie matérielle. Et on nous dit ici que vous allez vraiment mettre en lumière certaines choses et aussi avoir un déclic important. En tout cas, vous incarnez cette reine de denier. Donc vraiment ici, on a une énergie très ancrée, on se reconnecte aux énergies autour de soi. On peut nous dire aussi qu'il y a une libération intérieure par rapport à quelque chose qui vous bloquait. Peut-être par rapport à une emprise, par rapport à une dépendance, on a vraiment un déclic important. Donc ça, c'est très positif. Alors, on va voir aussi quels sont les messages pour vous au niveau amoureux. Donc, avec l'améthyste Love, quels sont les messages? Alors, à la coupe, nous avons la protection divine et nous avons le nouveau départ. Ici, on nous parle d'engagement avec une personne. On a aussi une période de renaissance. On va vers un nouveau départ. On va vers une nouvelle direction dans laquelle on se sent protégé, dans laquelle on se sent guidé. On nous parle aussi de synchronicité, de signes qui sont présents pour vous au niveau de votre vie amoureuse. On a aussi un regain d'énergie, un regain de vitalité, le fait vraiment de prendre un nouvel envol. J'ai vraiment cette image où vous envolez de vos propres ailes, avec vos propres ailes. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais j'espère que vous avez compris le message que je voulais vous donner. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le traumatisme de trahison. Donc, il y a peut-être des inquiétudes ici, une peur d'être rejeté, une peur d'être trahi. Des peurs qui ressurgissent à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qui ressort au niveau amoureux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons l'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Donc, on vous confirme ici que c'est bien votre âme sœur, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous allez pouvoir construire. On nous parle de grossesse ici. Il peut y avoir l'annonce d'une grossesse ou en tout cas le projet de construire quelque chose avec la personne de votre cœur. Il est question aussi d'un changement important, d'une progression qui arrive. Et on peut nous parler aussi du fait que la personne de votre cœur a déjà des enfants. Alors, nous avons la fin de cycle, nous avons la famille, nous avons la prudence, nous avons la femme, le karma, la sagesse, le choix, la meilleure amie, et nous avons le doute. Alors ici, il y a une situation qui est peut-être karmique au niveau familial, peut-être par rapport à votre famille ou à la famille de la personne de votre cœur. On a un changement ici, on a une fin de cycle. Après une période qui était bloquée, on retrouve un ancrage, on retrouve une stabilité dans la relation. Et on nous dit ici que vous êtes quand même prudent, prudente. Vous prenez le temps de laisser venir les énergies à vous.
On a aussi la femme. Donc ici, ça fait aussi écho à beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition, une envie de libérer un blocage karmique, une situation qui vous retenait intérieurement. On a aussi la sagesse. Donc ici, on voit vraiment que vous vous reconnectez à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver les réponses et avoir des éclaircissements. On a aussi ici cette notion où il y a peut-être une situation qui était bloquée depuis longtemps et par rapport à ça, vous sentez justement qu'il y a un changement qui se met en place. On prend des décisions ici, on fait un choix et on a aussi quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On a la meilleure amie, donc ça peut être un confident, une confidente, en tout cas une personne qui va être très présente pour vous dans cette journée. Et nous avons le doute. Donc ici, il y a des interrogations et je pense ici que vous avez envie de vous reconnecter en vous pour pouvoir éclaircir tout ce que vous vivez actuellement. On nous dit ici que vous avez un bon raisonnement, également que vous avez la possibilité de prendre du recul sur tout ce que vous vivez actuellement. Donc ici, il y a quand même des changements et on sort des incertitudes en prenant une décision importante. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Ah, d'abord, je vais regarder quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? On a ici les pensées cachées. Et on a l'amitié. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est réservé sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent. Et en tout cas, on voit que cette personne peut être assez mystérieuse. On a aussi la loyauté. Donc, c'est comme si cette personne allait se rapprocher de vous. C'est comme si également vous alliez développer une complicité ensemble. Et c'est vraiment le souhait de cette personne. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Oups là, les cartes volent. On a la séparation et on a l'élévation. Vous ici, vous avez envie de vous élever. Vous avez aussi envie de vous libérer d'une situation. Et il y a un déclic à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer et qui vous permet justement de prendre des décisions importantes. Ça peut également nous dire que vous avez vécu une séparation et que par rapport à ça, il y a vraiment une élévation importante qui ressort. On va voir aussi pour les personnes qui sont célibataires ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons le déménagement, je pense à toi et on a le message envoyé. Ici, on vous dit que les choses bougent et avancent. Donc, il y a des solutions qui sont trouvées au niveau amoureux. On peut nous dire aussi qu'il y a un déménagement qui va pouvoir se faire. Une personne pense à vous ici, une personne pense à vous, une personne a de tendres pensées envers vous et je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de communiquer puisqu'ici on peut nous parler de messages que vous souhaitez envoyer à cette personne. Et c'est aussi quelque chose qui est mutuel, vous pensez aussi à cette personne qui vit des changements importants dans sa vie actuellement. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons l'homme, nous avons le traumatisme de trahison et nous avons la relation instable. Alors ici, on nous parle d'un traumatisme qui est présent. Donc, il y a une peur d'être rejeté par rapport à certaines instabilités qui peuvent être présentes. On a des énergies masculines, donc ici c'est en lien avec les actions que vous mettez en place, les décisions que vous prenez. Et il y a vraiment un désir pour vous de rééquilibrer les choses, de trouver le juste milieu pour pouvoir justement avancer de manière sereine. Et ici il y a quand même des incertitudes qui sont présentes par rapport justement à cette peur d'être rejeté. Mais en tout cas ici vous allez être dans l'action, vous allez prendre de nouvelles décisions pour faire avancer les choses. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Alors nous avons les remords, les regrets. Nous avons l'atmosphère chaleureuse. Et nous avons le papa. Alors ici, il y a une situation qui est compliquée parce que peut-être que vous avez des regrets ou
Peut-être que la personne de votre cœur a des regrets par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et on nous dit ici qu'il y a une atmosphère chaleureuse. Il y a vraiment un regain d'énergie qui va se mettre en place, hein, le fait d'aller vers des énergies sereines dans votre relation. On a aussi le papa, donc ici, ça représente aussi quelqu'un qui a beaucoup de maturité, quelqu'un qui peut être très sérieux ou sérieuse. En tout cas, une personne qui a des désirs très profond, très intense. Et on nous dit ici que vous avez envie de vous libérer d'une situation qui émotionnellement a été lourde à porter. Donc par rapport à ça, il y a une période de changement qui arrive. Donc voilà les amis, les messages qui ressortent. Alors on va aussi voir les messages des breloques. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau du foyer, nous avons le nœud papillon. Donc ici, il est possible justement qu'il y ait des liens qui se renforcent, qui soient de plus en plus importants. On a aussi le dinosaure. Donc là, ça nous parle d'une personne de votre passé ou d'une situation de votre passé. En tout cas, c'est quelque chose qui est très connecté à vous. Nous avons aussi le miracle. Donc ici, il va y avoir une situation très forte qui va se passer dans votre foyer. Au niveau d'un voyage, nous avons love, donc un voyage en amoureux, peut-être un déplacement pour retrouver la personne de votre cœur. Au niveau amical, nous avons le doseur. Donc ici, on équilibre les énergies. Il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions qui sont présentes au niveau amical. Au niveau sentimental, ici, on nous confirme qu'il peut y avoir une grossesse, l'annonce aussi d'un changement qui arrive vers vous. On a ici une libération, une purification importante. On nous parle également de communication, d'échange avec la personne de votre cœur. Et il est question aussi de projets que vous allez mettre en place. Peut-être aussi d'indépendance dans votre vie amoureuse. Nous avons également la couronne qui nous parle de succès et du fait d'être reconnu pour quelque chose que vous avez construit. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons la chance avec l'éléphant. Donc ici, ce sont des opportunités qui arrivent à vous. Et on nous parle aussi d'un coup de foudre. On nous parle aussi de passion que vous ressentez à l'intérieur de vous. Au niveau de la famille, nous avons le chiffre 2 qui va représenter peut-être la dualité, mais qui peut représenter aussi cette idée de partager des choses, de partager des moments ensemble. Au niveau professionnel, nous avons la paix. Ici, on retrouve une sérénité à l'intérieur de soi. Et ça peut être aussi en lien avec un projet auquel vous avez déjà pensé. Donc, il est possible que vous reveniez sur un projet qui est en lien avec votre passé. Et au niveau financier, ici, on a une notion d'association, de partenariat, de trouver un équilibre aussi au niveau matériel. Donc, voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va aussi voir les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre deux pierres qui ont des énergies très douces. Donc, pour la première pierre, vous avez la sélénite. Et pour la deuxième pierre, vous avez l'angélite. Donc, la sélénite ou l'angélite, ou les deux, comme vous le ressentez. Faites confiance à vos ressentis pour faire votre choix. Alors, quel est le message? On a l'as de l'émotion, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous au niveau affectif. Là, c'est un message global. Alors, pour la sélénite, et toutes les cartes tombent. Alors, pour l'angélite, quel est le message pour vous? Pour l'angélite. Donc, je vous laisse faire votre choix et ensuite, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on commence par le message de la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui aide à méditer, c'est une pierre qui relaxe et qui apaise. Le message pour vous, c'est le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions.
regarder le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc ici, on a quelque chose qui est fort et qui est en lien avec votre passé. Ça peut être un amour du passé, ça peut être une situation du passé qui amène aussi une certaine nostalgie. Mais en tout cas, on vous invite à regarder le passé pour y voir plus clair. Et on va voir le message pour l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui est connectée aux anges, qui vous permet justement de vous relier à leur énergie. Le message pour vous, c'est le 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, les amis, on vous invite à vous accorder une pause parce que vous donnez beaucoup d'énergie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de vos projets. On vous invite à prendre un temps rien que pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.